Nous vous avions parlé de la préférence Kabylie pour le Sauterne. Que ce soit prêt quand elle arrive. Quant à son manager, elle ne boit que du champagne. Garçon, vous m'apporterez un verre de scotch et... Un verre de Sauterne, s'il te plaît. Un Sauterne. Comme Billy. Heureux de te revoir dans les parages. C'est vrai, depuis que tu joues plus, t'es beaucoup plus difficile à attraper. Qu'est-ce que tu fous là ? Quoi ? Ça te paraît si invraisemblable que ça que je viens d'écouter un chanteur de jazz ? Une chanteuse. Quoi, Billy, c'est une chanteuse ? Non. C'est la chanteuse. Et c'est pour elle que je suis là ce soir. Et pas pour jouer. Je sais. Alors, comment ça se passe au club d'échecs ? Tu dois avoir vachement moins les jetons. Toujours aussi sarcastique. Et toi, j'imagine que tu t'es trouvé des nouveaux joueurs à plumer, histoire de te refaire. De me refaire, moi ? Mais on voit que t'es plus dans le circuit. J'ai pas du tout besoin de me refaire. Je suis même plutôt dans une bonne passe. Pas comme ta Billy, apparemment. Parce que tu la connais, toi, Billy. Si je la connais. Mais cette femme, c'est un exemple pour toutes les femmes. Rien que ça. Je savais pas que t'avais ce genre d'exemple. Pourquoi ? Pour toi, je ne suis pas censée avoir ce genre d'exemple, c'est ça ? Pas besoin de la connaître pour imaginer le profil. Continuellement besoin d'argent. Surtout pour surpoudrer le nez. Faire monter la tension dans le retard, pour mettre le public en phase. Classique. Et toi ? C'est quoi ta stratégie financière ? J'en ai fini avec le bluff et les tables rondes. Désormais, je compte sur moi-même. Je me trouve des petits boulots à droite et à gauche. Et bientôt, tu vas te mettre à chanter aussi ? Là, qu'est-ce que tu fais, là ? Je te donne une chance. Alors, si je suis là ce soir, c'est pour voir Billy. C'est drôle que tu m'as amené ici ce soir. Je veux dire... Toi, moi, Billy. Je ne pensais pas que tu savais à quel point j'aimais cette femme et ça m'a fait tellement plaisir quand tu m'as proposé de venir. Je joue plus, je te dis. À toi. Mais ouais, Billy. Et toutes tes dettes, en arrêtant de jouer, tu comptes les régler comment ? En assistant au concert d'une junkie qui a même pas les moyens de se payer une montre ? Fais ce que tu sais faire. Joue. Et quand bien même ? C'est une femme qui a souffert, qui a traversé des épreuves, parce qu'elle l'a bien compris, elle, qu'on est toujours tout seul dans la vie, et que compter sur les autres, c'est compter sur son propre échec. Si tu comptes pas sur moi maintenant, tu comptes sur ton propre échec. Eh bien, en tout cas, ton admiration se porte pas envers les gens ponctuels. Déjà plus de 2 heures de retard. Ça va commencer à coûter en consommation. Tu reprends quelque chose ? Écoute cette musique. Il ne manque plus qu'une personne pour que tout soit parfait. Mais où est Billy ? Je suis surexcitée. T'excites pas trop, maintenant. On a encore toute la nuit pour ça. Je ne savais pas que tu aimais le jazz. Tu verras. Tu changeras complètement d'avis dès l'instant que tu l'entendras. Tu en tomberas complètement amoureux. Sans jalousie aucune. Mais bon sang ! D'où te vient cette obsession envers une femme que tu n'as jamais vue ? Avec qui tu n'as jamais échangé 2 mots ? Tu parles d'elle comme si vous sortiez du front ensemble.
On a le même combat. Une image. Tu es omnubilé par une image. C'est ça ta vision des relations humaines? L'amour par l'image. Et pour toi, moi, je suis quoi pour toi? Arrête. On n'est pas venu ici pour discuter. Et encore moins pour s'engueuler, merde. Mais depuis tout le temps qu'on se voit. Depuis tout ce temps qu'on se voit, c'est la première fois qu'on discute comme ça. Écoute, je t'aime bien, vieux. T'as négocié les meilleurs bluffs autour de cette même table il y a encore quelques mois. Alors maintenant, je vais pas te forcer la main. Mais je sais ce que tu veux. Je te préviens, dès qu'elle apparaît, on arrête et tu dégages. Oui, bien sûr, monsieur. Plus le retard est important, moins le cachet l'est. Oui, c'est tout à fait naturel. Mais vous ne serez pas déçu par là. Comment? Oui, les musiciens sont déjà sur scène. Pardon? J'ai joué mes dernières cartes. Oui, bien sûr, je vous tiens rapidement au courant. À bientôt. Billy, ne me fais pas ça. Je suis finie si tu me fais ça. Allez, on s'aime. Dis-moi, t'as vite perdu la main? Tais-toi, joue. À toi l'honneur, maestro. Bon. On peut peut-être s'arrêter là. C'est pile l'argent que je dois. Et je tiens à payer mes dettes. Je suis encore dans le circuit, moi. J'ai une crédibilité à tenir. J'ai jamais vraiment aimé attendre les femmes. Alors celles qu'on paye pour gémir devant un micro, faut vraiment avoir de l'argent à perdre. Hé ! Doucement ! Tu vas pas partir maintenant ? T'es venu pour voir Billy ? Tu te souviens ? Garçon, vous mettrez la note sur mon compte. C'est moi qui offre ce soir. Ah tiens, ça y est. C'est l'heure des premiers dégâts d'alcool. Elle est peut-être amoureuse. Qui ça? Oui. Elle peut pas venir parce qu'elle est amoureuse. L'amour, ça fait faire n'importe quoi et les choses les plus importantes deviennent futiles. Parce que tu connais quelque chose, toi, en l'amour. Si tu savais. Bon, il est plus de 3 heures, là. Et je suis vraiment pas tenté par le fait de simuler sur les émois amoureux d'une femme qui me fait boire sans aucune récompense. Allez, prends tes affaires. On s'en va. Non! On était venus voir Billy! On y va! Putain, je te paye pas pour ça, merde!